un combat entre deux Pokémon endormis. Voilà qui vaut la peine d'être filmé. Brindibou, lance feuillage. Utilise charge. Lance pic pic. C'est pas très passionnant. Attendez un peu, je le connais ce rondoudou. Quoi? Il aurait fait tout le voyage jusqu'à Alola. Oh, attention, rondoudou. Non, n'écoutez surtout pas son chant, vous allez tous tomber en bas. Voilà ce que j'appelle un sens artistique développé. Attendez, serais-je peinturluré moi aussi? Et moi? Hey, regardez, Rondoudou n'a rien dessiné sur Dodo Ala. Mais pourquoi? Attendez, ma caméra a filmé toute la scène pendant que je dormais. C'est vrai? Montre-nous vite. Et voilà, tout s'explique maintenant. C'est drôle, mais c'est pas très gentil. C'est affreux. Il est méchant comme tout. C'est fascinant. Oui, mais Dodo Ala a dû mettre Rondoudou très en colère. Ce qui veut dire qu'il va sans doute revenir. C'est même une certitude absolue. Rondoudou, non, ne fais pas ça. Pourquoi nous? C'est pas juste. Hé, Rondoudou, j'ai une question. Accepterais-tu de chanter encore pour nous? Nous serions ravis de t'entendre. Et cette fois, nous resterons éveillés jusqu'au bout pour t'écouter, promis. Rondoudou, Rondoudou. Et voilà, on n'attend plus que toi. Et voilà ce qui s'est passé. Dodo Ala a encore réussi à lui échapper. Rondoudou va encore revenir pour se venger. Et pour nous faire de nouveaux dessins sur le visage. Si seulement on pouvait trouver un moyen pour que Rondoudou et Dodo Ala deviennent bons amis. Je crois que j'ai une idée. Combattons le sommeil par le sommeil et le chant par le chant. C'est élémentaire. Je suis sûr que nous pouvons vaincre ce Rondoudou chantant en apprenant à Dodo Ala un chant adorable comme un Lulu.